Pourquoi la population chinoise du Canada qualifiait-elle le 1er juillet de journée de l'humiliation? Le 1er juillet 1923, jour de la fête du Dominion, la loi de l'immigration chinoise est adoptée. La politique d'immigration du Canada au début du 20e siècle est généralement restrictive, mais les Chinois sont les seuls exclus. Le sentiment anti-chinois est né de la ruée vers l'or en Colombie-Britannique et a perduré bien après la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. Entre 1923 et 1946, moins de 50 immigrants chinois sont admis au Canada. La loi discriminatoire est abrogée en 1947. En 2006, les Canadiens d'origine chinoise reçoivent finalement des excuses officielles du gouvernement.